Bah, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Taxi 3, le jeu. Un jeu français, bien logique, adapté d'un film français. Et puis, c'est tout. Je vais commencer. Hein. Un joueur. On a mode scénario, mode taxi, chargement, sauvegarder, ok. Option crédit. On va commencer avec le mode scénario. Je choisis la mission. Mon nom est BGB. Et on va commencer avec le premier. Il y a du texte. Résumé. Le célèbre agent secret entre en catastrophe dans votre taxi. Il doit se rendre à l'aéroport de toute urgence. Coupé brusquement dans votre repas, la colère monte en vous. Mais une grosse liasse de billets vous ramène vite à la raison. C'est parti pour la course de la journée. Objectif, emmener l'argent secret à l'aéroport et faire en sorte d'arriver dans le temps un peu parti. En plus des checkpoints obligatoires. Devancer le train avant le passage du checkpoint. D'accord. Comme Fast and Furious. Ils dirent que Fast and Furious a pris exemple sur Taxi. Ils dirent que, plutôt c'est un remake de Taxi. Ah, on démarre comme ça. Oh, mais c'est nul. Oh putain, la maniabilité. Taxi de Marseille. Et heureusement qu'il n'y a pas des anges. Oh la vache. Hop. Là, je conduis comme un pied là. Mais connard! Oh! Ah bah d'accord. Et j'ai pris la bagnole. La rampe ou pas? C'est un truc qui se manie pas trop mal. Enfin, pas trop mal. C'est une galère. Non mais c'est pas possible, c'est quoi ces voitures là? Ça peut pas conduire quoi. Tu vois, il y a même eux qui doivent prendre le chemin. Il dégage. Checkpoint. Yes. Attention, danger. C'est qui, où le danger? C'est ça le danger. Bon, là il y a une voiture là sur moi. Ah, c'est ça le danger, c'est la... Ouais, bon. D'accord. Objectif réussi, yes. C'est ça le danger. Non mais quoi? Non mais c'est quoi ces bagnoles? Ok. Allez. Merci. Ah mais j'ai pas mis le truc. Ouh les chiens. Oh purée. Ah bah quoi, ils sont fous en cette ville à Marseille.
Nouveau kit disponible, amortisseur. D'accord. Alors, mission de Baby Boom. Résumé, Lily doit se rendre chez le docteur et son père, le général au commissariat. Vous vous proposez pour les emmener. Ayant appris que Lily était enceinte, vous décidez de rouler très prudemment pour ne pas faire survivre de choc au bébé. Objectif, emmener Lily enceinte chez son docteur le plus prudemment possible. Éviter au maximum les chocs violents. D'accord. Ah bah d'accord. Ça va être un peu compliqué. C'est ça, être un taxi à Marseille. C'est quoi ces roues? C'est quoi ces roues? Oh non, et en plus, s'il y a des personnes qui conduisent mal en voiture, ça. Mais non! Mais non, mais t'es sérieux? Je conduis prudemment et il y a une voiture qui me fonce dessus. Quoi? Non mais tu te fous de ma gueule! Mais camion de merde! J'essaie de conduire prudemment, Yel. Il y a ce camion qui... Oh mais non, mais en plus il y en a un autre. Non, mais non, mais putain! Chauffeur quoi, merde. Conduire prudemment. Je peux même pas le faire. Game over. Ah non. Bon, moi j'enchaîne les missions là. À ma vue, je l'ai fait en facile. Nouveau kit disponible, booster type P45, 250 km/h. Vous avez remporté un nouveau crédit. D'accord. Mission 3, Sir, yes sir. Résumé, cet excès de prudence ayant mis le général en retard, il va falloir rattraper le temps perdu. Pas de problème, c'est dans vos ordres, c'est dans vos cordes. Pied au plancher. Objectif, emmener le général le plus vite possible au commissariat. Se faire flasher par le radar de... Ah ouais, quand même, faut se faire flasher. En plus... Mais non, mais il y a encore eux. Allez.
Mais non, mais tu... Mais non, mais... Non, mais en plus, il passe... Non, mais tu tues des personnes, là. Mais dégage. Oh là là. Non, merci. Le... Non mais ton clignotant. Ah mais il y en a. Objectif échoué. 3, 2, 1, go! Ah, je peux appuyer sur A pour monter la... Oh, il est bien. Le Fast et le Furious. Je me demande pourquoi ce jeu a été noté 4 sur 20 sur jeuxvideo.com. Hein. C'est pas vraiment le plus fou des jeux de course, mais... Non mais il y a vraiment du potentiel. Hein. Il me fonce dans le fond de la... Non mais là ça va, hein. C'est... Moi je dis que c'est un bon jeu, hein. C'est tout. J'ai pas joué à... d'autres jeux pourris de course, mais ça va. Qui est disponible? Spoilé et Becky. On va dire de spoiler quand même. Mission 4, le Père Noël. Résumé, ayant croisé Emilien au commissariat, vous le ramenez chez lui, mais sur le chemin, il aperçoit un suspect, un Père Noël sur un scooter. Suivez-le discrètement pour en savoir un peu plus. Objectif filant en évitant de se faire repérer. Un Père Noël en scooter afin de découvrir le repère du camp des Pères Noël. Passer en dessous d'un accident. En dessous d'un accident? Ah ouais. Ah ouais, il faut se faire discret. Mais plus que discret quand même. Bon, il est où en fait? 3, 2, 1, go! Oh, dans ce calme, monsieur. Non, mais tu te fous de ma gueule, hein? Pas ça.
Pas discret. Où est le Père Noël en scooter là? Ouais, ça doit être là. Quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait là pour que je speed. À un moment je trouve que d'accord. En fait je me demande si c'est nécessaire de pas ce zoom. Et faut arrêter là de peu là. Et je lui demande, est-ce que c'est bien, c'est le code du film là que c'est, qu'on est en train de faire en mode scénario? Ça doit être le film alors. Non mais... Ah je vois là. Yes. En toute discrétion. C'est passé sous hein, ça. Parce qu'il nous dit de passer sous un accident. Et alors qu'en fait, on est passé au-dessus. Bon. Boucle d'aération. Mission 5, à la poursuite de Kiyu. Résumé, Emile Kain s'est fait pincer en voulant entrer dans le QG de la bande des Pères Noël. Kiyu et ses gangsters l'enlèvent afin de l'éliminer dans un endroit plus tranquille. Sans hésitation, vous les prenez en filature pour sauver votre ami. Objectif, sans se faire repérer, prendre en filature la jeune femme jusque dans l'aéroport où elle détient Emile Kain en otage. Putain, mais ils prennent vraiment des taxis en fait, les gangsters. Là ça va, hein. Il faut y aller à la vite. Hein.
ouais, quand même, première personne. Ah, attention, il ne faut pas que j'aille trop vite. Oh, non mais va vite. Là. Non. Yes. Eh, je me débrouille pas mal hein. J'ai juste échoué une seule fois mais c'est tout. Booster type P51, 300 km/h. Résumé, les malfaiteurs se sont enfuis vers un village de montagne. Bon, on va s'arrêter là. Ah, il y en a que 10. Ah, ouais, c'est... Quel jeu de merde. Mode taxi. Ah, sans contrainte de dégâts. Frayer un chemin dans le trafic, explorer. Ah ok, c'est un jeu contre la montre quoi. C'est un mode contre la montre, le mode taxi. Là ça y est. On va se mettre en première personne là, cette fois. Ou pas. C'est mieux. Dégagez. Non mais... Mais c'est moche, c'est cinématique en fait. C'était nul. C'était nul. J'ai vu des voitures spawner. Oui. Ah mais non mais merde. Non mais, eh mais non mais ils sont fous hein.
sont vraiment fous, on va voir. Nouveau record, 2 minutes. Là maintenant, j'ai jamais vu ça dans un jeu. Centrer l'écran. Ah, mais je pouvais enlever la caméra de ralenti. Audio général, sortie. Ouais, bon. Commande. Accélérer, frein, fuir arrière. Main, caméra, direction, direction, ouais, bon, bref, y'a rien qui change. Crédit, ah, c'est les crédits du jeu. Luc Besson présente une production Europa. Merde, d'accord, bon, je vais pas regarder. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos. Mettez la cloche pour plus de notifs. Mettez un pouce bleu, ça fera super plaisir. Comme aussi commenter cette vidéo, ça aussi, là, ça c'est le plus important. Je vote aussi avec les trois autres vidéos, s'il vous plaît. Et voilà. Ah oui, si, partagez aussi, c'est aussi super important. Les trois autres vidéos, si, faites aussi avec ça. Et on se verra pour un jeu d'horreur.